règle des problèmes. Retourne en cabine. T'es où? J'ai besoin de toi tout de suite. J'y arriverai pas sans toi. Je peux téléphoner tranquille. Ça t'arrangerait d'en tourner bosser, t'as du pain sur la planche. Elle a commencé à se lâcher sur moi. J'avais aucune envie d'entendre ça, alors je suis reparti. En couple. Eddie est mon manager. C'est pas un secret. On devait travailler hier soir et ce salaud m'a planté. Donc vous ne l'avez pas vu hier soir? Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé au poignet? J'ai eu un... Parce que, selon les services des urgences de l'hôpital, vous y êtes allé hier soir pour une fracture du cubitus. Ça arrive dans les accidents de la route. C'est dû à l'airbag. Quand on plie les airbags, on ajoute de la farine ou du talc. Ça les aide à se déployer. L'inconvénient, c'est qu'on en a plein les yeux. On sait que vous avez vu Eddie hier soir. On sait que vous avez conduit sa voiture. Tout s'est passé si vite, vous savez, je suis sortie une minute. J'enregistrais en studio et j'avais besoin d'air. J'étais là, je réfléchissais et c'est là que mon manager a débarqué en se tenant le ventre. Candice, on m'a tiré dessus. Candice, c'est pas ça. Je prends la voiture. Ça va aller, ma petite. N'aie pas peur, ça va aller. C'est très héroïque. Pas vraiment. Quand vous êtes proche de quelqu'un, vous ne pouvez pas imaginer la vie sans lui. On faisait équipe. Je l'aimais. J'ai cru que j'allais y rester. Dans la voiture, il y avait deux autres personnes qui allaient y rester. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. On allait tous mourir là-dedans. Les équipes de secours ont retrouvé le corps d'Eddie en aval. Ce qui est un peu moins héroïque, c'est qu'on a retrouvé Lindsay toute seule dans une voiture immergée. J'ai essayé de sortir Eddie de la voiture. Il était inconscient et cette gosse, elle arrêtait pas de gueuler et... Et le courant était vraiment fort, si on sortait pas, on allait être emporté. J'étais censée faire quoi? Prendre le téléphone, appeler la police, les pompiers, voilà. En gros, tout ce que vous n'avez pas fait. Je ne suis pas Wonder Woman. Eddie est ma priorité, pas cette stupide chieuse qui arrêtait pas de gueuler. J'ai essayé.